Hello, hello, comment nous y est, comment nous y est, tout le monde en forme? En tout cas, on a dit merci à tout le monde qui supporte la chaîne. Là. Et puis, songez, vous pouvez toujours subscribe, inviter les amis à nous subscribe, partager la vidéo, et puis, bon, like. Et puis, les nous subscribe dans le petit clochard, choisis tout. Ok, merci encore une fois. Et puis, là, pour nous, toute information de A à Z que nous avons besoin sous installation panneau soleil. Donc, je dis, on vient de présenter nous tout. Jack n'a besoin câble, gros câble avec fuse, steel fuse. Mais au fur et à mesure, on a fait vidéo, on a besoin plus d'informations. Mais quand même, parce que tout ça aussi base, on a besoin pour nous faire installation. C'est-à-dire, on a décidé de marier filio à la main, j'en voulais, mais le marier filio, non seulement ou bien possibilité pour faire, si connexion pas faite bien, car il y a un petit pack qui a fait dans le temps filio, le petit rempli de charge sur quand il y a un spark qui a fait, et puis ce spark là qui vient empêcher le fil de connecter vraiment. Il font un petit bail noir, on petit la fumée, et puis les fils viennent tâcher, ou viennent pas joindre, n'est-ce qui fait l'électricité, vous comprenez ça, me dit très bien, ou qui viennent pas joindre connexion, vous comprenez? Donc l'important, ou bien des fois le fil qu'on a chauffé parce que la quantité qui est connectée est trop faible comparativement avec le fil multiple. Généralement, je suggère le fil multiple pour connexion panneau solaire. Si c'est le fil multiple, grosseur 8, ou bien 10 pour sauter dans le panneau solaire, venir dans la charge contrôlée, malgré la bien fuse là-dedans. 8 ou bien 10. Après ça, pour sauter dans la charge contrôlée, aller dans la batterie, nous allons toujours utiliser 8 ou bien 6 suivant la capacité de l'affaire. Nous allons voir un tableau avec toute grosse filio et suivant la distance pour nous. Dans la vidéo, et puis pour nous sauter dans la batterie, nous allons toujours utiliser multiple soit dans batterie à l'inverteur. Mais quand il y a grosseur m'a suggéré non c'est 4 pour pipiti. C'est-à-dire l'aime dit pipiti grosseur fil là. Mais l'aime descend dans numéro 1 fil la plus gros, c'est me dit 4 avec 2, on fil size 2 sont gros fil li. Un gros fil qui capable presque grosseur ça, vous pas nous dire un peu près ça. Et bien on fil size 4 par exemple, car grosseur disons petit doit là un peu près. Donc pour parce que ça est important dans ça est important dans batterie à joindre une VTA en fonction de charge ou pas mettre sur une VTA. C'est-à-dire, de ton mettre plus charge sur une VTA, la tendance à tirer plus intensité dans la batterie. Et c'est intensité qui toute bagaille là. Tirer plus l'intensité dans la batterie, soumettre un petit fil. Généralement, il y a toujours envoyé une série de fils cuivre. Faites très attention à ça. Cap n'a pas acheté, généralement, une VTA n'a pas acheté dans le chinois. Il y a un fil qui bon marché. On fil qui est aluminium, mais des fois bon couleur, quand on cuivre à peu près. Mais nous besoin de fil cuivre. Cuivre là, c'est le plus bon pour mener courant très bien. Normalement, tu as qu'à l'eau, même papa dit on achète l'eau pour un bon fil l'eau pour mener l'eau plus bon conducteur. Mais et après ça, c'est cuivre n'a besoin. Donc, assurez-nous que nous jeunes bon gens cuivre pour nous faire courant soutenant batterie. Ça très important. Allez, inverter. Il y avait un peu plus petit size 4 fils et puis il y a un 2, 1 suivant. Parce que de temps, comme d'abord dit tout à l'heure, de temps batterie, de temps inverteur, il y a plus de charge sur le mettons frigide, ou mettons faire repasser, ou mettez air conditionné, ça va faire demander plus courant dans la batterie, on va dire, un besoin plus d'énergie pour qu'il y ait. Et puis il y a un petit rempli le courant. Et puis c'est intensité ça qui a chauffé le fil, si le fil n'est pas, il y a un size normal pour le fil là, il y a plus de fil, il y a chauffé le boulet. Ok. Je dis, on a passé avec Jack, quelques Jack n'a pas utilisé, et puis avec Cab. Cab, ça c'est SEA Cab, really. SEA Cab. Donc, comme je dis, je fais deux vidéos, une en anglais pour mon anglais mieux, et puis avec une en créole. Donc, SEA Cab, il faut nous habituer à terme anglais, parce que moi, généralement, tout le monde a observé, en pile la dernière pour en anglais. SEA Cable, ok? SEA. Extension cable et puis jack ça c'est le SEA. Ça va nous comme possibilité. Les bas nos possibilités le nous fin prend soleil par nos soleil, nous mettez soit en série ou bien parallèle. Nous menons vin dans la caille, nous mettez fuse là-dedans. Nous allons montrer nous devant comment fuse a marché. Nous menons fuse vin là-dedans. Le nous besoin déconnecter par nos soleil là avec charge contrôleur. Faut nous cap déconnecter, c'est ça facilite nous. Il est toujours bon, bon gens les câbles bien ferme, vous comprenez bien câbles. Et puis, les banons ont des connexions faciles. Donc, ouais, les mains rouges, si on a le fil rouge, hein, les rentrer là. Et puis, le fil noir, les mêmes, les n'ont plus bas. Et puis, les n'ont plus là. Rouge pour tomber dans rouge, et puis noir pour tomber dans noir. Ouais.
n'a regardé rouge par en bas alors que là c'est rouge qui par en bas et puis noir par en l'air noir par en l'air ouais. N'a connecté l'ensemble et puis nous déconnecter les kimbel bien ferme même l'oreille sortie comme ça pour mettre force les kimbel bien ferme pas bien qu'un courant pas bien qu'un chauffage pas bien courant on perd ou bien je vais pas chauffer là les kimbel bien ferme bien solide ok ok donc faut mettre force pour me déconnecter SEA SEA extension cable ok ça c'est pour le premier câble nous montrer pour aujourd'hui là après ça nous va montrer solar fuse là qui nous montre nous va montrer comment pour utiliser le vidéo solar fuse là, c'est ça son fuse lié ou quand utiliser un autre fuse qui a une capacité que vous besoin sous l'autre forme peut-être dans l'autre vidéo m'a montré ça mais ça plus facile parce que chaque panneau solaire yo vini avec un MC4 MC4 jack donc ça tout gain MC4 là pour le répondre ou connecter la partie positive positif tout vous songez ça OK on mettre le dans positif et sur le panel là si positif là ta différent pour ça pas ta rentrer là-dedans ou ca juste mettre le dans ça OK ou mettez positif là dans ça c'est une bien l'autre pas un fuse dit un fuse ça lié son fil mais un fil qui faible plus faible que reste fil là de façon si gagne un coup circuit quelconque c'est lui qui a coupé en premier c'est ça fuse là aussi simple que ça donc et ceci tout fuse OK oui ça a fait pour mettre le mettre positif là-dedans clop et puis là la barre positive et pour venir faire on va montrer comment pour faire connecteur avec notre câble n'a bien pour nous câble attacher OK on va montrer comment ça marche tout à l'heure donc c'est fuse dans ça et bien nous avons fuse qui 30 ampères par exemple fuse à 30 ampères il doit arriver jusqu'à 1000 volts DC OK il fait pour DC comme on te dit nos panneaux solaires yo ba nous courant DC et puis ça arrive jusqu'à 1000 volts c'est-à-dire même soit ajouter panneau en série ou en parallèle les pas un problème parce que ça supporte 1000 volts. Là très difficile pour faire une installation en 1000 volts, vous comprenez? Alors dans cas non ordinaire. Peut-être pas industriel qui a fait dans niveau ça mais ça n'a besoin pas privé dans niveau 1000 volts, OK? Ça c'est un solar fuse. On a besoin un solar extension cable plus MC4. Ça c'est le extension cable, ça sont câbles qui gagne MC4 connecteur là-dedans. Pour nous connecter dans le panneau solaire. Donc, panneau solaire, des panneaux solaires, généralement, nous avons un jack comme ça, sorti dans le positif. Là. Positif, jack là, à comme ça. Dans le panneau solaire là. Ouais, dans la partie positive là, à comme ça. Il y a un petit gars pour montrer c'est positif. Donc, ça fait un fil rouge là, dans ça, les gagner en femelle. Ouais, en femelle là. Et puis, pour y adapter là-dedans, ça est positif. Et puis, l'autre négatif là, il mal là-dedans. Ok? Donc, ça, la. Cap qui saute dans panneau solaire ouais même si tu as fait un Y côté mettez deux trois panneaux solaires en parallèle ou bien tu as un panneau solaire simple pour compte ou bien tu as mettez en série cap positif là à partir dans ça clep bien taché bien solide MC4 la fait pour ça elle kembel bien ferme et puis elle fait entrer et puis li baille positif là là bien facile donc c'est wall fuse ça et qu'on y a un MC4 Y branch ça so on MC4 branche Y branche ça le fait, wall c'est ajouter panneau solaire en parallèle. Quitte c'est 3 ou bien 4, on peut plusieurs sont besoin. Vous comprenez? Comme c'est à 2, nous allons servir, donc nous allons acheter 2. Hein, okay? Donc, mais c'est même bagaille avec ça. C'est même bagaille qu'il fait, même travail qu'il fait, juste mettre en parallèle. Si vous avez besoin de 2 panneaux solaires, ou bien si vous avez besoin de 4 panneaux solaires, ou bien 4, si vous avez besoin 5, ou bien 5, ou bien si vous comprenez? Tout dépend de 3. Ça c'est pour 2 positifs qui peuvent tomber là-dedans. Positifs, c'est un jeu qui a toujours paraît. En tête rouge cap saute dans panneau solaire là bon bon nous prend deux panneaux solaires positifs clair pour mettre dans ça et puis les bons positifs là que on va le mettre dans couleur rouge câble là pour mener positif là en bail charge contrôle OK ça pour le mettre en parallèle c'est même exactement même bagarre exactement avec ça ça plus là ou plus là si besoin bail qui intelligent cap ouvrir ça va au plus là je mets c'est même bagarre on descend on conseille tout le monde utiliser parce que les pays économiques en termes de loss parce qu'on est le conduit par un fil ou un petit loss quand même qui pas considérable mais mieux vaut qu'on va reconnaître pas et pas bien perdre avec du tout tant vous gagnez ça va bien perdre là.